Hello le monde, ici c'est Nobu, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play consacré à Earth's Nest Die. Wouhou! Alors, aujourd'hui on était au goulet. Le goulet c'est le truc avec les trois portes devant, si je me rappelle bien, avec le protège-bras dedans, c'est donc bien ça. On n'est pas dans la merde. Enfin je dis ça, mais en fait c'est super facile, je pourrais le faire super facilement. Mais ça je vous dirai ça plus tard. Pour l'instant, ça charge. Et bizarrement, ça fait moins chic que Fable 2 de charger là. Je sais pas pourquoi. Ça fait partie du truc, c'est un concept, vous voyez, c'est. Tout est conceptuel. C'est global quoi. Alors, nous allons commencer dans pas longtemps. Parce que la musique c'est fini, donc maintenant, on va cliquer dans pas longtemps. Yay! C'est bon, ça commence. Les protège-bras ardents, cadeau des enchanteurs de l'ordre. Blablabla. Une commande d'orque rôti supra-croustillant pour la 5. Chaud devant chaud. J'avoue que, ouais, ça va être bon. Bon. Pour vous expliquer le truc. Le niveau, un jour où je m'emmerdais, je l'ai fait le niveau, sans sauvegarder ni rien. Et j'ai terminé avec seulement deux objets. Je vous montrerai ça plus tard, parce que bon, c'est pas super utile. Là, on va essayer de se compliquer un peu la tâche, on va essayer de faire tout ça. Je ferai une vidéo spéciale d'ailleurs, hein, pour un aspect, je pense qu'il y aura petit Osmos Die Kratos. Parce que maintenant que j'ai un peu des niveaux débloqués, donc on va pouvoir faire des niveaux comme ça, un peu à la What Again the Beast to Fly. Ouais, totalement gratuit. J'avais envie, je suis désolé. Donc, à part, donc, niveau objet, j'ai le droit à quoi? J'ai le droit au protège-bras ardent. Vous êtes cool, les gars, c'est cool. Protège-bras ardent, quoi, le piège à pieux, évidemment, le classique, le mur de flèche, je sais pas où je vais le poser, mais il faudra la flèche, la statue Zephyr, ça va être cool, merde, du coup, ça j'enlève, oui, parce que moi, je suis carré, des fois, très carré, donc machin, mur de flèche, statue Zephyr, donc c'est fait, statue Zephyr, les barricades, ça va être cool aussi, les barricades, les lames murales, la murale, et après vous il y a un petite égalité entre l'épée et les archers, et comme ça risque d'être compliqué parce que j'aime compliquer la vie, hein, forcément, je vais mettre les archers, comme ça, ça est clair. Et pour la tisseuse, vous êtes tous à l'unanimité, hein, à l'unanimité, oui, je l'ai dit, à la tisseuse de l'élémentaire, hein. Et on va commencer. Les sorts consomment moins 30% de moins de mana. Ça me paraît assez cool. Arbalète, ouais, Sainte-Lame, cuir de fou. Alors DR des boules de feu, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est le DR? Je pense que c'est durée, je sais pas. Mais je pense que je vais le prendre. Les éclairs, donc ça veut dire que j'aurai un sort d'éclair plus tard. C'est cool. Durée de congélation, on s'en fout, j'ai pas de congèle. Et ça, je prendrai après. Ça, il me faudra absolument. Enfin, bref. On va accepter. Hein, je vais les tous. Et pour le premier niveau, bah pour les trois premières hordes, je vais vous montrer comment faire pour faire ce niveau supra facilement. Mais quand je dis facile, mais alors. C'est pas que de ça. Techniquement, parce que je vous ai pas montré comment ça marche le clic droit pour le truc ardent, mais enfin, je vous ai montré si, mais on a pas vu ce que ça faisait, et franchement c'est meurtrier quoi, je veux dire, regardez là, je clique, voilà. Ils sont presque tous morts. On va juste les crétins qui restent là. On va voir un boule de feu. Boule de feu. Ok, j'ai plus de mana. Non, pas ça. Mauvaise idée ça. Toi tu crèves. Voilà. Qu'est-ce que je te dis d'autre? C'est supra. Vraiment. Cheaté cet objet. Je me demande si je vais pas le retirer des votes et les prochaines fois, parce que c'est tellement cheaté que je le prendrai quand il y a le dernier recours quoi.
Voilà les kobolds. Ça tire pas deux secondes ça. C'est évident que ça tire pas deux secondes ça. Je suis dans la merde. Attends, il est où? Merde. J'ai pas pris ce coup là. Putain, je l'ai fait super facilement la première fois. Oui, parce que j'ai mis plus de barricade pour ça. Et merde. J'ai déjà dans la merde. Non, c'est pas possible. Non, dégagez. Oh non, c'est pas possible. Non. Eh oh. Ça suffit là. Eh oh. Non. Dégagez. Non. Oh, et puis merde. Non, c'est bon. Bon, on va se protéger encore plus, hein. Ça me fera plus mal à moi qu'à vous. Non, attends, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça, mais en fait, ta gueule. Je suis un boulet. Bon, la technique ne pas faire, donc. Après ça, je pense que j'aurai des trucs. Déjà, un. Hein. Regarde comment c'est surpuissant, ce truc. Ah, j'ai un message. Merci Franky. Bon, je crois que je vais recommencer et pas faire le con. Je crois que c'est foutu. Faut que je mette une défense plus plus mieux quand même. Oh la vache. Qui est fait, mais c'est totalement fail. Et toi je te vends. On va faire du sérieux maintenant. Bon, j'ai droit plus à beaucoup de chance, hein. On aura plus beaucoup du tout, hein. C'est la merde, c'est la merde la plus totale. Indiquez-moi une direction. Indiquez-moi une direction. La direction, c'est trop devant. Ça va bien, hein. Ouais, là. On va éviter d'éviter la lave. Hein. Enfin, on va essayer d'éviter plutôt en français, c'est mieux. Voilà, j'ai beaucoup de choix donc. Ça c'est cool par contre, mais ouais, mais le fail total quoi. Du coup, ça. DR, je sais pas ce que c'est. Déjà, ça aussi, c'est pas mal. Ça fait plus de dégâts, c'est cool. Les carreaux et tour de disco, la zone plus large, oui, évidemment. Voilà. Ça va être cool, par contre. Ne nous laissez pas tomber. Et puis, du coup, puis du coup, on va faire la ce que j'ai fait tout à l'heure, mais en mieux. Et là, on va faire plutôt comme ça. Ça me paraît un peu plus logique, du coup. Voilà, ils seront obligés d'aller là. Ils sont en cette place. Ouais. Ouais, je crois que c'est la meilleure technique à faire, je crois. Des nouvelles décorations. Et j'ai pas assez. J'ai utilisé 8000 en un coup, hein. Pour info. Juste pour info, hein. Et voilà, on va utiliser ça. C'est complètement cheaté, mais j'adore. Du coup, je vais garder ça. Regardez. Oui, c'est ça. Oh putain! C'est juste ça là! Ah! C'est peur celui-là. Est-ce qu'il faudrait pas l'épée pour que ça marche le truc? Ah non, mais j'ai pas acheté en fait, d'accord. Ah! Ceci explique cela, j'ai pas fait accepter, j'ai fait refermer. Je crois.
Tuez-les tous. C'est ça. Ok. Non mais je suis un bouleur, genre j'ai pas... je me soigne pas. Hein. Non non, je me soigne pas, ça rien, ça me ça. Ça rien. C'est pas grave. Alors allons-y, allons-y, allons-y. Ouais, on va les attendre là, hein. Je préfère carrément les attendre là. Hein. Oh là 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 là. Mais ah non, pardon. Merde, j'ai fait une connerie. Ah oui, ça les brûle ça aussi quand j'utilise du coup. Eh merde, 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 merde. Oui, 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 oui. Mais ça c'est cool par contre. Sa vague. C'est pas assez puissant. C'est bon? La truc là, donc du coup. Hein, ça et ça. On achète. On a ça qui est peut-être. Un bâton. Tu as la balle ou au bâton là, on restaure son. Je vais voir ce que j'ai pour vous. Oh oui, va voir. Fais-moi l'inventaire tout de suite. Oh non, du coup, je vous montre la technique que j'ai trouvée tout seul en fait. Du coup, ben oui, j'ai pas vu qu'il y avait barricade en fait, donc oui, forcément, j'utilise maintenant. Ah, lui, ça va pas le tuer par contre. Une salle. Ah, c'est juste là qui me fait chier pour l'instant. Ah, si je recommence maintenant, ça va me faire chier par contre. Ça. Ah, dégage, dégage, dégage. Merde, trop long. Ah, ça c'est bon. Toi, tu dégages de chez moi. Ça c'est chez moi, ça. Dégage. Merde, 8. Charis, je pourrais faire un perfect sur ce coup-là. En fait, que dalle. Je ne sais même plus viser. Oui, non, ne te la faites pas non plus. Hein, ça va. On est dans la merde, les gars. On est dans la merde. Rien de crise. Rien de crise. Crise. Crise moustache. Non, c'est pas ça. Alors, machin, truc. Bidule. Machin. Et pourquoi je joue pas des pièges, moi, tout ça, moi? Hein? Franchement? Genre, là? Là? Je compte pas avoir ajouté des pièges, moi. Je sais pas ce que je suis, mais... Ça a l'air un peu puissant, je sais pas. Enfin, bref. Non, pas tout mal passé. Là, plutôt. Là, vous pouvez tous dire en cœur, je suis con, hein, allez-y, hein. Ah, j'ai bon cœur, hein, je veux dire. Lâchez la robe. Yeah. Ah. Ouais, ça c'est cool. Il faut encore un peu. De mana, 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 ouais, bah c'est cool du coup. J'ai pris un peu de risque au début, mais du coup, finalement, ça passe. Hein? Vous en pensez quoi? Ah, il est dissous là. Il est dissous là, et puis ouais, il est tout par là. On va essayer de faire partir. Plus loin. Il faut que je fasse deux. Yeah! Allez, viens des.
Viendez ma bande. Remettez mon mana. Remettez mon mana. Ah, c'est surpuissant ce truc quand même. Hein. J'hésite à le mettre dans les votes quand même. Hein. C'est vachement puissant au final. Si c'est pas, vous me dites. Je le mets dans les votes encore ce coup-ci, puis après. Parce que franchement, je mets ça une ou deux fois et c'est bon quoi. Avec la mana qui se recharge avec la disseuse de l'alimentaire. Regardez, je suis même pas à court dessous quoi, c'est dingue. Bon, par contre, j'avoue que les ogres, là, ça me fait chier par contre. Hein. Ah putain, il y a deux en plus. Ah, les enfoirés. Oh putain, les enfoirés. Oh non, je regarde au 9ème quand même. Oh non, non. De pas faire le con, ouais, c'est foutu là. Bon, ça va, le gros du truc est là. Faut pas que les ogres y entrent. Ouais, non, j'étends la merde. Et oh, oh le cheat. Oh putain, le combat titan. Merde. Si j'y arrive là. Alors à la fin j'y croyais plus du tout là. Enfin pas gagné à la fin d'ailleurs. Ah tu m'étonnes que je gagne qu'un truc. Ah la vache. Ce niveau je le referai quand même en pas off, mais je le referai ce semaine, hein. Parce qu'il me tente bien de le refaire quand même, hein. Peut-être que même que je le referai directement après l'enregistrement. Qui sait. Non, on verra plus tard. On verra plus tard pour lui calmer. Niveau amélioration, je pense que. Ouais, c'est mort. C'est mort. J'en ai 7, il faut moins 8. Mon plus mauvais score. Ouh, l'aplatisseur. Oh la vache. Oh, énorme. Bon, on devine à quoi il va servir celui-là. Hein. Oh là là. Oh, ça va être énorme ce piège. Par contre, je crains les monstres qu'il va y avoir en plus des orques. J'y arriverai jamais. Ah bah voilà. Bordel. Aujourd'hui, le monstre m'a envoyé aux forteresses de la ligne de front occidentale. C'est une région dangereuse, mais je me ris du danger. Et des chatons aussi. Ces boules de poils sont tordantes. Je me ris du danger. Évidemment, ça me dit quelque chose. D'accord. J'aime pas ce niveau. Je dis direct, j'aime pas. Non mais, s'il vous plaît, quoi. Je veux dire... S'il vous plaît. Truc, ce serait. C'est un truc horrible ce niveau. Oh. Parce que je pense en plus que ça va pas s'accrocher là-haut les trucs. Le nouveau truc. Le platiseur qui coûte 500, qui coûte un bras en plus. Il y a des cobalt en plus, il y a des trucs. Oh putain, des archers. Ah, c'est ça. On peut mettre que là. Oh, c'est pute. C'est totalement pute, ça. Je confirme, je confesse, c'est complètement pute. Bon, ben, voilà, hein, vous avez vu le truc, hein. Ah, on commence avec 7000, par contre. On commence avec 7000 de pépettes. Je sais pas si c'est dû à ma fortune d'avant qui était colossale, hein. Je sais pas. On commence avec 7000.
Voilà, vous avez vu, je sais même pas comment aller en haut. Je vous avoue que là, celui-là, il va pas me faire aller en haut. Je comprends pas. Il me fait aller où? Nyeh! Nyeh! Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'ils me disent? D'aller de... Ah bah voilà, c'était juste un bug de je sais pas quoi, faut juste que j'y aille doucement, mais alors dans la bataille elle est doucement, merci quoi. Voilà, voilà ce qui nous attend. Combien d'objets j'aurais droit? 7 comme d'hab. Ok, 7 objets avec l'aplatisseur en plus, comme ça qui s'appelle. Et une question, est-ce que je mets le protège-bras donc dans les bottes? Ça vous me direz, je le mets encore pour cette semaine, comme j'ai dit. Puis après on verra, hein. Bah, je suis devant, je suis dedans. Yay, je suis arrivé. Enfin, je sens pas ce truc, je sens pas du tout. Alors aussi les tisseuses, évidemment, donc vous voterez pour ça aussi. Puis je crois que j'ai plus rien à dire, moi. J'ai plus rien à dire. Demain, je recommence un nouveau let's play, parce que Fable, franchement... Y'en a ras de bol. Dans le tout ça, je me fais une petite pause. Petite pause GameCube. Ah ah, suspense. Quel jeu ça va être? Y'en a qui le savent déjà, mais vous, chut. Ah ah. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À la prochaine, hein. Et soyez pas trop salaud, hein. Ah, t'as chu, hein. Salaud. Voilà. À la prochaine! Et moi je tourne comme un gros crétin! Je fais. Je suis toupie! Toupie! Ouais! 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 Oui, je sais, je tourne encore. Je tourne encore et je tourne encore la vidéo. Donc ça, je peux mettre en bonus ou pas. Mais je suis une toupie! 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 Je vais arrêter! Yeah! Bon. À la prochaine, hein. Si je mets ça en bonus, je sais pas. À la prochaine!